l'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. La 32e édition de la Pyramenta s'est terminée ce samedi à Arèche. Cette course mythique de ski alpinisme qui se court en duo s'est déroulée sur 4 jours. Chez les hommes, ce sont les Italiens qui se sont montrés les plus forts. Le duo italien composé de Matteo Eidelin et de Damiano Lenzi ont remporté cette édition de la Pyramenta. Le premier français, Alexis Sevenec, en duo avec l'immense star de la discipline Kylian Jornet, termine à la 2e place de cette édition 2017. Ouais, bien passé. Moi, comme je dis, j'étais à fond les 4 jours. Hein. Maintenant, je suis hyper content. J'ai enfin conjuré le mauvais sort. Ça faisait 4 ou 5 fois que je faisais 4e. Maintenant, on fait 2e. C'est vrai, c'est super, c'est chouette. Moi, je suis hyper content. Maintenant, je pense que la 2e place, elle revenait aussi à Nadir et Bosca. Ils ont pris une pénalité qui n'est pas forcément justifiée. Je trouve pas ça très sport. Maintenant, voilà. C'est comme ça, je crache pas sur ma 2e place, je suis content quoi. Chez les femmes, cette édition 2017 a été dominée par la paire formée par la Française Laetitia Roux et la Suédoise Emilie Forsberg. Si pour la Suédoise, c'est son premier succès sur cette grande course, la Française est, elle, habituée au titre, puisque c'est déjà la 7e fois en 10 participations qu'elle remporte cette course mythique. Super, le premier jour il a fallu qu'on prenne un peu nos marques, mais comme à chaque fois en fait, j'ai un peu eu les mêmes sensations qu'avec Mireia Miro quand on a commencé à courir ensemble. C'est des filles qui ont moins l'habitude de gérer des efforts aussi longs parce que voilà, c'est sa première. Et du coup, moi ça me fait également aussi plaisir de pouvoir apporter quelque chose et apporter mon expérience, et c'est sûr que ça aide quand même sur ce type d'épreuve. Mais bien au-delà d'une simple course, la Pyramenta, c'est surtout une fête. Plus de 3000 personnes étaient sur les sommets dans une ambiance qui rappelle celle des plus belles ascensions du Tour de France. Parce que la Pyramenta, c'est magique et c'est quand même une course unique. Pour le plaisir, c'est parce que c'est une belle course, c'est convivial. C'est la plus belle. Et il y a tout le monde qui s'entend bien. Bien sûr, ouais, on est monté avec les cloches, avec les troncs de bois, on va faire le vin chaud et la fondue ici en attendant l'arrivée des coureurs. Et on sera là pour les encourager. Allez ! Vin chaud, charcuterie, cloche, tout était réuni pour une immense fête sous le soleil à plus de 2000 mètres d'altitude. Les coureurs ont même pu avancer au rythme de l'accordéon. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt.